Bonjour à vous, on est reparti pour des séances pour cette année. Donc on espère à un moment donné se revoir en présentiel, mais on va continuer les jeudis matins en réveil musculaire. Donc on n'oublie pas une bouteille d'eau, un tapis et on est parti. On va se réveiller tranquille pour des fêtes. J'espère que vous allez faire manger votre chocolat. Oui, j'en ai mangé beaucoup. Allez, attention. C'est fin, c'est fait exprès.
Vous avez entendu la musique? Ouais. J'ai été très sage, j'ai une nouvelle sono. Allez, on continue. Allez, on respire bien, on va chercher loin. On écarte. Ouh.
beaucoup. Ça fait du bien. Ah. Allez, step touch. Non, il n'y a pas de question, les filles.
Donc, on fait attention. Hop, je monte d'un côté, je pose. De l'autre, je pose. Le genou va être en ouverture, d'accord? Il vient sur le côté, on travaille l'équilibre, on travaille la taille comme ça. Attention, on est parti. On fait les deux jambes. C'est-à-dire, ça fait un. Et là. Et deux. Et l'autre côté. Et trois. L'autre côté. Quatre. Cinq. On rentre bien le ventre. Hein. Plus on rentrera le ventre, plus on va travailler. Six. Sept. Huit. Et un. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Je pose, je détends. On verrouille encore les jambes, d'accord? On va mettre les bras sur le côté. Ça va être le haut du buste qui va tourner. Le reste du corps ne tourne pas complètement, d'accord? Pareil, on continue à travailler la taille. Ok? Donc là, l'idée, je vais me mettre comme ça pour vous voyez. Ça se voit tant que ça qu'on a pris du vent. De quoi? Ça se voit tant que ça qu'on a pris du vent. Non, c'est pas pour ça. Rien à voir avec les chocolats, la raclette, les bons repas de Noël, rien à voir. Je vois pas le ventre à travers, je vous rassure. Donc, on est là. Quand je vais tourner, c'est mon buste qui tourne. Mes bras, vous voyez, ils sont à la même taille et je reviens. Et je vais faire la même de l'autre côté. Tac, je suis là, je vais verrouiller mes jambes. Et hop, je tourne et je reviens. Ok? Bien sûr, on va compter un, ça fait les deux côtés. Je répète, on verrouille les genoux, on serre le ventre, dos maintenu, bras droit. Et attention, on tourne d'un côté et on revient. On tourne de l'autre et on revient. Encore et on revient. On est toujours à deux. Allez, trois. Pensez à bien respirer, hein. 4. 5. 6. 7. 8. Et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le dernier, 8 d'un côté. Et on fait l'autre. Et on pose. On détend les bras parce qu'on les sent là aussi. Hein? C'est les épaules surtout. Ouais, bah oui, parce qu'il y a la force de maintenir. Allez. Parce qu'après, vous allez me dire que je m'acharne sur le ventre. On plie les genoux. On plie les genoux. D'accord? Et là, on va vraiment rester sur la jambe gauche pliée. Et on va partir sur le côté. Un. Deux, plus vous pliez la jambe, plus vous allez la sentir. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Mon buste est droit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 8, je bloque. Là, de la même position, la jambe gauche
est plié. Juste, je vais derrière. Un, et je reviens sur le côté. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On commence à sentir la cuisse, hein. Huit. Moi, je la sens tout le temps. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, je pose. En plus, c'est difficile. On plie la jambe droite. Hop, joli flamant rose. Et on est parti sur le côté. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, je bloque. Donc, on n'oublie pas, on plie bien la jambe, le dos est maintenu, on serre le ventre. Et c'est parti derrière. Un, je reviens sur le côté. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je pose. On va voir un petit coup pour s'hydrater. Oh, ma pauvre Micheline, tu souffres? Ah ouais, la reprise est difficile. Hein, là, vous grandissez les chocolats que vous avez mangés, là. Moi, tu sais, depuis que j'étais chez le kiné, je suis pire qu'avant avec ma jambe gauche. C'est une horreur. Allez. Hop. On va faire largeur bassin. D'accord. Et on va aller pousser loin derrière. Je me mets comme ça pour vous faire voir. Donc, encore, on redonne les bonnes directives. Je serre bien mon ventre, mon dos est maintenu. Les genoux ne partent pas sur le côté, ne vont pas partir devant, d'accord? Je vais pousser les fesses loin derrière. Je vais descendre et remonter, d'accord? On ne part pas comme ça, les genoux ne partent pas devant parce que là, vous allez vous blesser. Ça serait bien dommage en ce début d'année fort sympathique. Ben ouais. Ça serait dommage d'accumuler. Donc, on va rester en forme ensemble. Donc, largeur bassin, hop, et on est parti, on descend. Ça fait 1, et je remonte. Ça fait 2. On n'oublie pas de respirer. J'inspire, j'expire. On est à 4. On est à 5. On est à 6. On est à 7 et 8. Allez, encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 et le dernier, le huitième. Oula. Même pas mal. Même pas mal, non. On respire, on respire. On met les jambes 9h et 15 minutes. Donc, je suis en écart. OK. Alors, pareil, je me mets sur le côté. Ça va être l'accumulation de deux mouvements. Donc, mes pieds sont sur le côté. Toujours mon ventre gainé, dos maintenu. Là, le premier mouvement, c'est je vais pousser en arrière et je vais descendre. OK?
Le premier mouvement. Le deuxième mouvement, en même temps, c'est je pousse d'abord, je me relève. Et là, dos droit, je descends tout droit et je remonte. Donc, un coup un squat, un coup les adducteurs. C'est la marque des canards. Ouais, on dirait ça. Après, on sera bien sur nos positions. Donc, je descends bien, bien l'écart. Les fesses sont serrées, ventre gainé, dos maintenu. Et là, le premier, je pousse loin derrière et je descends. Et de 1, le deuxième qui va avec, tout droit. Et ça fait toujours 1. Je repousse derrière. 2. Je descends tout droit. 3. On sent là. Pousse derrière. 4. Tout droit. Pousse derrière. 5. Tout droit. Pousse derrière. 6. Tout droit. On sent rien du tout. Pousse derrière. 7. Un petit peu là. Tout droit. Pousse derrière. 8. Descends tout droit. On continue une série. Pousse derrière. Tout droit. Pousse derrière. Tout droit. On est à 2. Et on pousse derrière. Allez, allez, on souffle bien. Et on est à la moitié. Là, on a fait 4. Et on descend tout droit. On pousse derrière. 5. Tout droit. On pousse derrière. 6. Tout droit. Les deux derniers derrière. Tout droit. Et le dernier, le huitième. Et on descend et on remonte. Et on va le sentir. Ah! Non, allez, on aura fini les jambes là. On va travailler les bras. Voilà. Là, pour de bon, vraiment pas de chocolat. Allez, les mains, du l'air. Les mains. On peut verrouiller les genoux et le ventre, d'accord? Ça nous permet de ne pas avoir le haut du corps qui bouge. Je ferme et je rapproche. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on écarte. Alors là, je vous montre, ça va faire 1, j'écarte, je reviens, je ramène, je reviens à ma place et je reviens en T. Donc T, angle droit, écarte, T. On est parti, on est en T. Bien, pam, écarte, T. Hop, hop, écarte, en T. Tac, tac. Écarte, T. On est à 3. Tac, tac. On est à 4. Tac, tac, tac. 5. Tac, tac, tac. 6. Tac, tac, tac. 7. Allez, on lâche pas. Et 8. Allez, on continue. Ça pique à peine. 1. Oh, dis donc, quand vous attrapiez les chocolats dans en haut du placard, vous ne voyez pas? Non, ils sont en bas, moi. Eh bien, voilà, il faut les mettre en haut. On est à 4. Hop. On est à 7. Allez, le dernier. On écarte, on remonte, on ramène, on écarte, on détend. Wow. Tu sais, les placards, maintenant, quand on vieillit, c'est en haut, c'est chiant. C'est en bas, c'est chiant aussi. Ah ben, tout ce que vous ne voulez pas manger, il faut le mettre le plus haut possible.
Après, quand vous le voyez, vous n'avez pas envie de l'attraper. Allez, on descend la part. Ça va se perdre après, le chocolat. Ah, on va gâcher. On va pas gâcher, hein. Remercier la famille qui a offert du chocolat. Hein? Faut remercier la famille qui a offert du chocolat. Ouais. Merci la famille. Je voudrais savoir quel est le message derrière. Merci à mes enfants. On tend les bras devant. Tac. Pareil. Le dos pas rond, pas trop rentré. On est bien droit. On serre les omoplates. On serre le ventre. Le dos est maintenu et on peut verrouiller les genoux. Là, juste on ouvre les mains et on referme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tends. On ouvre les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On tend les bras, main, paume vers le sol. Et là, on monte, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je tends, je bloque. 7, 8. Là, des grands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je pose, je détends. Ça va jusque-là? Oui. Ouais. Je n'ai pas encore mouru. Allez, les derniers. Alors, est-ce que vous avez une chaise à côté ou un truc où vous pourriez mettre le genou dessus? Une chaise, d'accord, attends. On prend une bouteille d'eau avec nous, soit 50, soit 1,5 litre. Comme ça. Vous mettez le genou gauche sur la chaise, d'accord, ça va nous tenir en équilibre. Et on prend la bouteille d'eau dans la main droite. Voilà, attends, je prends ma bouteille d'eau. Hop là, viens à toi. Avec une bouteille de planteur, ça va? Ça marche aussi. Si c'est un litre, ça marche. Il y a un additionne. Le vin, tout ça, mais on va éviter de le croire. Hein. Juste, c'est pour nous aider à travailler. Donc, le coude est serré contre la table. Et c'est le bras... le bras avant qui va aller vers l'arrière. D'accord? Hop! On peut descendre un petit peu sur la chaise et on est parti. Ça fait 1, 2, 3, il va tourner pour ma chaise. 5, 6, 7, 8. 1, si on a des poids à la maison, on fait avec des poids. 2, non, si j'avais su, j'aurais pu mettre poids. 3, en peur. 4, 5, 6, 7, 8. On monte au-dessus de la tête. Hop, là, regardez, c'est serré contre ma tête, hein, d'accord? Hop, et on est parti. On ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8, 7,
4, 3, 2, et 1, je pose. Alors, bien sûr, on peut le faire sans chaise, mais l'avantage de la chaise, c'est que ça nous oblige à... ça verrouille tout le corps. Jambe gauche, jambe droite sur la chaise. Hop, comme ça, on tient en équilibre. On prend main gauche, coude serré, et on est parti en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je monte au-dessus de la tête. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je pose. Là, si on me dit que mon planteur il a tourné, hein, ce sera ta faute. Allez, non, madame. Allez, on prend le tapis. Moi, je remets le dos. On prend les autres bouteilles comme là. Voilà. Hop. Alors, je vais avancer ça. Attends, on va remettre ça en bas. Voilà. On va venir à quatre pattes. Hop. Les mains au-dessus des épaules. Donc, soit j'ai les mains à plat au sol, soit j'ai les coudes au sol. L'important, c'est que le bassin ne soit pas déséquilibré. Et on va prendre la jambe droite, la jambe gauche, pardon. Et peu importe, de toute façon, on fera les deux. Hop. On est parti. On monte et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, on monte pas trop, 6, 7, 8, on respire bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je bloque. Et là, desserre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je bloque. Des cercles dans l'autre sens. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je pose. On va y aller tranquillement, hein. Ah ouais, tranquillement, t'appelles ça tranquillement, toi? Ah ouais. C'est tranquille pour une reprise. Oh. On n'a pas entendu une déflagration de fessiers explosés, donc tout va bien. Oh. Allez, on va faire l'autre côté. Pareil, je tends la jambe. Donc quand on monte la jambe, on ne la monte pas plus haut que la colonne vertébrale. Prolongement de la colonne vertébrale pour éviter de se faire mal. Attention, on est parti, on monte, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je bloque. Et on fait des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je bloque. Dans l'autre sens des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je pose. Respirez. Allez, il nous reste encore un petit peu et après ça va être les étirements. Que tu veux... On ne fait pas d'abdos ? On ne fait pas d'abdos ? Si, si, il reste encore un petit peu et après on va les étirements. Ah, je suis désolée, j'avais pas fait. J'étais coupée, désolée. On est parti pour du gainage. D'accord. Donc le gainage, je répète, soit sur les bras, soit sur les coudes. D'accord ? Ouais. Mais l'important, c'est que pas de fonte quechua et pas de bassin trop rentré, vous allez vous casser le dos. On est des jolies planches. Ok ? Allez, on est parti. Je mets mes mains, je pousse sur mes pointes de pied et je descends une jolie planche. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pose. Oh, ça se trompe, carcasse. On va repartir pour un exercice de gainage, mais on va mettre une petite difficulté. J'explique. Hop, on va redresser. Et là, en fait, je vais mettre le bassin comme si je voulais mettre un... Je fais un petit twist avec mon bassin. D'accord ? Si c'est difficile, je reste en gainage normal. Alors, je pense que je vais rester en gainage normal. On va essayer. Voilà, on essaye quelques mouvements. Quand on voit que c'est difficile, on repasse gainage normal et puis on peut réessayer. On est parti. Je remonte déjà en gainage normal. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je bloque. Oh. Ah, au secours. 5, 6, 7, 8, je pose. On respire bien. Oh. Allez, on va venir s'asseoir sur le fessier. Enlève mes chaussures, attends. Faites comme si vous étiez chez vous. Ouais, tu crois ? Ah oui, t'as dit j'enlève mes chaussures. J'ai dit vous faites comme si vous étiez chez vous. Alors, voilà. Deux façons de faire. La première, je tends bien mon dos, ma tête est maintenue, je lève les jambes, je gaine bien et je vais venir chercher sur le côté. Le dos n'est pas en rond, on tient bien son dos. Si ça devient difficile, deuxième variante, je pose les talons dans le sol. Mais les talons, ils sont là juste pour m'aider à tenir l'équilibre. Le dos est obligatoirement bien droit et maintenu et je viens un petit peu en arrière et je viens quand même chercher sur le côté. Je fais vraiment des grands twists. OK ? L'important, c'est que le dos, slack. On est fiers. La tête haute. OK ? Pas de dos rentré comme ça. Vous
allez vous faire mal. Donc, vous choisissez variante 1, variante 2. On peut commencer avec la plus difficile et puis à un moment donné, reposer les jambes. Il n'y a pas de honte. Ou je commence avec la plus facile et à un moment donné, pareil, je lève les jambes en l'air. Allez, attention. Premier moment, on se positionne. Allez, hop. Dos maintenu, donc que je sois talon dans le sol ou les jambes levées, hop, mon dos est maintenu. Et on est parti sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pose. Oh, c'est facile. On va se croire presque à la plage. Je viens mettre les coudes au sol. Pareil, la nuque, elle va rentrer. Détendez bien. Regardez un point sur le plafond pour éviter de vous blesser. Comme ça, la tête reste toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. Là, je vais ramener les genoux au niveau de mon ventre et je vais tendre la jambe droite, revenir, tendre la jambe gauche, revenir. Ça va être facile au début. Donc, on fait attention à la nuque parce que dans cette position, on la sent. OK ? Maintenez bien et gardez un point sur le plafond. Comme ça, elle est toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. Attention, c'est parti. Ça fait 1. Et 2, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pose. Détendez le dos, détendez la colonne. On repart dans la même position, dont on est presque à la plage. On regarde encore un point sur le plafond. Et là, on va partir en pédalo. D'accord ? On fait des mouvements comme ça, moi. Allez, on pédale, on pédale, on pédale. On est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pose. C'est pas une offense, là. Voilà, qui c'est qui a demandé des abdos, là? Alors, il faut faire attention à ce qu'on demande, hein, parce que quand on l'a... Ouais. Là, on est parti. Même position. Presque la plage. Avec trop pédalage. Colonne vertébrale, prolongement, tête qui regarde le plafond. Tout à l'heure, on a fait des pédalos vers l'avant. Là, on va partir en arrière. Ah oui. Et ça sera les derniers et après on s'étire. Donc on garde, on est jusqu'au bout. Même si ça pique, on finit. Attention, on est parti. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pose. Allez,
Allez, allongez vos pieds au tableau. Je vais mettre une musique plus douce. Allez. Coupé. On s'allonge totalement, totalement, totalement. Oh, j'ai mon lit qui est encore parfait, je peux y aller dessus. Attends, attends. De quoi? J'ai mon lit qui n'est pas encore fait, je peux y aller dessus. J'ai pas compris, excuse-moi. J'ai mon lit qui n'est pas encore fait. Ah ben, bah, tu peux aller te recoucher, mais je sais pas si t'es pas, t'as pas un peu transpiré. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Là, là, moi, je vous remets les muscles en place et après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je fais le contrat jusqu'au bout. Allez, on s'allonge, on va s'étirer. Hop. On tend les bras au-dessus de la tête. Ah, les bras. On peut bailler. Allez, on se grandit. Je mets comme ça. Je suis prêt. On met les bras sur le côté, on monte les jambes sur le ventre, on descend d'un côté et la tête regarde l'autre. On repasse par le centre, on fait la même chose de l'autre côté, genou d'un côté, tête de l'autre. On repasse par le centre, pied dans le posé dans le sol, jambe droite sur genou gauche, main droite dans le petit trou qu'on vient de faire là, et on vient attraper la jambe gauche qui est au sol. La tête reste au sol, sauf si vous faites une coupe de cheveux idiote et que vous ne pouvez pas la mettre. On pose, on décroise, jambe gauche sur jambe droite, main gauche dans le petit trou qu'on vient de faire, et on attrape la jambe droite qui est au sol, et on pose la tête. On pose, on décroise, on vient se mettre tout doucement sur le côté, tout doucement, on se relève tranquillement et on vient se mettre à quatre pattes, on s'assoit sur les talons et on tend les bras le plus loin possible. On revient à quatre pattes. Alors, on va faire avec la respiration. On va faire un dos rond. On rentre la tête dans la poitrine. Dos plat, je regarde devant moi. Et dos creux, je regarde le plafond.
D'accord ? Donc, on intervertit entre dos rond, on rend bien la poitrine, dos plat, je regarde devant moi, et dos creusé, je regarde le plafond. On recommence. Dos rond, dos plat, et dos creux. Une dernière fois, dos rond, dos plat et dos creusé. On se remet bien à quatre pattes, jambe gauche, jambe droite par-dessus jambe gauche et on se laisse glisser le plus loin possible derrière. On revient à quatre pattes et on fait pareil, jambe gauche par-dessus jambe droite et on descend. On revient à quatre pattes, on vient s'asseoir, dos droit, main gauche sur l'épaule droite, on vient appuyer derrière. Bien. Donc après, on va se dire rendez-vous tous les jeudis. Yes. Même heure, même endroit. D'accord. Yes. Jusqu'à ce qu'on puisse reprendre normalement les mardis, les vendredis comme avant. Ah ouais. De l'autre côté. Donc vous pensez bien à vous hydrater. Si vous avez des petites courbatures de main, vous pouvez faire les petits étirements qu'on a fait là. Parce qu'il y a deux écoles, il y en a qui ne préfèrent pas les étirements après une séance d'entraînement, qui préfèrent le lendemain. Il y en a qui préfèrent après l'entraînement. Libre à chacun de connaître son corps. Hop, on vient attraper derrière, on tire, on rapproche les omoplates. On bombe la tête, tête haute. Oh. On relâche la tête d'un côté. On enroule. Dans un sens, dans l'autre. On respire bien et on peut s'applaudir. Bravo. On se dit à la semaine prochaine. Yes. Restons ensemble avec le centre social, on lâche rien. On va continuer et puis je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.